je me suis glissée pour quelques jours dans ce stage de méditation et de yoga en langue des signes. Claudie, qui est formatrice, en propose plusieurs chaque année sur des thématiques différentes. Elle est entendante, elle connaît la langue des signes, elle a adapté la pratique de la méditation et du yoga aux sourds. Je suis curieuse de les suivre pendant leur séjour méditatif. Je vous propose de faire une méditation courte. En relation avec le chakra sacré, toujours en lien avec la nature et l'eau. Alors ce qu'on va faire, tout d'abord nous allons nous concentrer sur notre respiration. Il arrive souvent, lorsqu'on fixe un point de concentration, que notre esprit vagabonde. Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas partir avec lui. C'est normal et ce n'est pas grave, mais il faut vraiment que vous restiez fixé sur votre point de concentration. Pourquoi est-ce que tu aimes la méditation? Qu'est-ce que tu y trouves? La méditation, pour moi, c'est un temps que je peux enfin m'accorder. C'est du temps que je prends pour moi, pour me recentrer, pour me considérer. Dans la vie de tous les jours, ça va très vite. Le travail, les enfants, les associations, les sorties. Mais moi, quand est-ce que je m'occupe de moi? Grâce à la méditation, je peux me réfugier dans une bulle et me reconnecter à moi-même, m'occuper de moi, être en lien avec moi. Dans la société, bien sûr, la langue des signes est peu présente. Et donc, j'ai du mal à me sentir en lien avec ce monde. C'est pas facile. Parfois, ça me fait bouillonner. Je ne me sens pas forcément bien. Mais la méditation m'aide à créer ce lien. En tant que sourde, l'accès à cette société est difficile, chaotique. Et la méditation m'aide à être plus en phase. De plus en plus de personnes s'intéressent à la méditation et s'en emparent, y compris les sourds. Du coup, il est maintenant fréquent que des Occidentaux, religieux ou non, dispensent à un public de laïcs un enseignement de la méditation dissocié de tout élément religieux. Mais d'où vient la méditation? Et quelles sont les formes qu'elle peut prendre? Une méditation vraiment tournée vers les Occidentaux. La quasi-totalité des personnes qui viennent à cette séance ne sont pas bouddhistes. Parfois, ont une autre religion, mais ce qui nous regroupe tous, c'est le côté laïque de cette technique. Elle s'ouvre vraiment à toute personne qui souhaite découvrir la méditation et plus exactement le calme mental. Le calme mental est un premier état avant l'état méditatif en tant que tel. Alors, premier exercice, si on doit lui donner un nom, on va dire que c'est méditation sans objet, sans comptage. Okay ? Donc on va définir ce que c'est que l'objet et le comptage. Donc le comptage, ça veut dire que
on ne prend pas sa respiration comme support pour compter. Sans objet, ça veut dire qu'on ne pose pas son regard sur un point précis. On laisse juste le regard à l'horizontale, dans le vague, sur aucun point précis. Voilà, mon regard est droit à l'horizontale et emplit la pièce. La méditation est fondamentale, j'ai envie de dire, est fondamentale dans le bouddhisme. Ce qu'a enseigné le Bouddha, c'est comment sortir de la souffrance. La vie est souffrance. Si on croit que l'on va rester toute sa vie beau, jeune, riche, en bonne santé et en vie tout éternellement, c'est un grand leurre. La méditation a permis au Bouddha d'arriver à un état d'où il ne retombera plus dans la souffrance. Mais pour arriver donc à cet état, il y a un chemin qui est l'enseignement bouddhiste et qui passe par la méditation. Je me suis rendu compte à un moment donné, il y a quelques années maintenant, peut-être 4 ou 5 ans, qu'en fait j'étais perturbé par des idées qui trottaient dans ma tête. Enfin, je ruminais souvent, j'ai plein de pensées qui pouvaient même me réveiller la nuit, par exemple. Donc là, j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et donc voilà comment ça a commencé. Et moi, je parlais plutôt de calme mental plutôt que de méditation, quoi. Mais le calme mental, de ce que je peux en goûter, en quelque sorte, amène à la méditation, quoi. Ça fait maintenant près de 20 ans que je pratique. Et en fait, la méditation est quasiment venue, c'est pas un accessoire, c'est pas un petit plaisir, une petite fantaisie. Il y avait vraiment un besoin de recherche pour être en liaison avec une autre compréhension des événements qu'ont traversé ma vie. Et ça m'a amené à traduire les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de présence en même temps, en tous les cas. Moi, ça m'a vraiment construite. Hein. Beaucoup. Est-ce que tu as remarqué que la méditation se répandait de plus en plus dans la société ? Oui, j'ai remarqué, oui. Et à quoi ça tient, à ton avis ? Je pense que beaucoup de personnes manquent de confiance en elles. Pour la plupart, elles n'avaient pas eu d'informations autour de la méditation. Mais quand elles l'expérimentent, elles s'aperçoivent que c'est bénéfique. Il faudrait informer plus largement, que les gens prennent conscience que la méditation peut aider dans certaines situations de la vie. Face à des problèmes, au stress ou autre, cette pratique est une aide réelle. Elle permet de développer la confiance en soi. La méditation est une forme de remède. Me faire soigner par quelqu'un, ce n'est pas satisfaisant. Quand ça vient de moi-même, l'effet thérapeutique est bien réel. J'ai l'impression de plonger au fond de la mer avec un bruit comme... C'est très musical. J'ai l'impression d'entendre le bruit du fond de la mer. C'est un bruit agréable. Enfin, pas un bruit, c'est différent. J'aime. Alors, quand on utilise le bol tibétain, ça produit des vibrations. Et que se passe-t-il dans le corps à ce moment-là ? Regardez.
piégé dans le bol, s'agite dans tous les sens. Bon, l'effet est moins fort dans notre corps, hein, heureusement. Ça ne provoque pas une telle agitation, c'est moins fort. Mais du coup, le phénomène va engendrer un apaisement et ça va restaurer l'équilibre. C'est bien. J'ai l'impression de flotter en dehors de mon corps, d'avoir complètement lâché prise, comme si ça dansait à l'intérieur de moi. Je me sens danser à l'intérieur de moi. C'est très agréable. À la fin des années 70, un chercheur américain a constaté que beaucoup de personnes étaient réticentes à la méditation, du fait de sa dimension religieuse. Et par là même, elles se privaient des bénéfices thérapeutiques de cette pratique. Il a alors conçu une approche très inspirée du bouddhisme, mais sans référence à des éléments religieux. C'est grâce à ça que la méditation de pleine conscience a pu être introduite à l'hôpital. En France, le service psychiatrique de l'hôpital Sainte-Anne à Paris est le premier à avoir utilisé cette méditation dans son protocole de soins. L'initiative a commencé il y a 15 ans. Les patients suivent un programme en 8 séances. Ensuite, leur sont proposées des réunions de suivi au cours desquelles ils ont l'occasion de faire un point sur leur expérience. Si vous décidez de méditer avec les yeux ouverts, posez le regard sur un endroit. Et là, donc, nous allons commencer à trouver notre assise, le dos droit, dans une attitude de bienveillance envers nous-mêmes et de dignité. Le programme à Sainte-Anne s'adresse à des patients qui ont connu la dépression, mais qui ne sont pas dépressifs au moment d'intégrer le groupe. En effet, ils doivent être en rémission, parce qu'il s'agit pour eux d'éviter de retomber en dépression. Alors le programme ne va pas se substituer à leur suivi psychiatrique. Le groupe vient en plus, comme un adjuvant à la prise en charge. Il ne s'agit surtout pas de me faire du mal, parce que tiens encore, ton esprit est parti, tu n'es pas bon. Mais toujours à la fois avec fermeté et gentillesse. Ne laisse pas ton esprit partir loin. Tu as encore été entraîné ailleurs, reviens. Voilà mon entraînement à la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, donc, c'est cette attention qui est portée délibérément dans le moment présent, sans jugement, sans essayer d'avoir de filtre et sans attente particulière, sans vouloir contrer rien de ce qui arrive à notre esprit. On ne cherche pas à modifier les pensées, mais on cherche à modifier notre rapport aux pensées. Et c'est ce biais-là, en fait, la pleine conscience. Comment je peux accueillir ce qui présente en moi de douloureux? Parce que les patients dépressifs sont des patients qui se jugent énormément, qui se font beaucoup de mal avec leurs pensées. Est-ce que vous avez des questions sur votre pratique? Comment ça s'est passé ces temps-ci? Est-ce que vous arrivez à pratiquer au quotidien? Le matin, en général, j'ai un laps de temps où j'ai deux petites lectures du jour et après, je me mets en méditation avant de démarrer ma journée. Déjà, ça me fait beaucoup de bien. C'est pas très long, mais plus, ça fait du bien. Mais dès que c'est la panique à bord, là, c'est difficile. Quand je sens qu'émotionnellement, par exemple, j'ai un petit souci, eh bien, tout de suite, je m'en vais méditer. Ouais. Au contraire, et je sens que ça me fait du bien. Ça m'apaise. Au moment où vous sentez que vous risquez de... C'est-à-dire, des fois, le matin, je me réveille, je suis angoissée. Et le fait de faire ma méditation, je me dis, bon, mais va faire ta méditation. Et la journée après se passe très bien. Donc l'idée, c'est cet entraînement au quotidien me permet, va pas me guérir de tous mes malheurs, toutes mes souffrances, certainement pas, mais de faire attention à pas
me laisser piéger par le contenu émotionnel, me laisser crabouiller. Moi, je médite plutôt par le biais du yoga. Je commence une séance de yoga et je la poursuis par la méditation. Oui. Parce que j'ai besoin de mouvement. J'ai du mal à rester immobile. C'est plutôt en mouvement que j'arrive à faire des choses. Ouais. Dans le métro, j'ai arrêté parce que je ratais les stations. À condition de pratiquer une heure par jour, toujours différents types d'exercices de pleine conscience, on arrive à un risque de rechute moindre, je crois, de 30 ou 40% de moins de risque de rechute. Et ce que les études montrent avec des groupes contrôle, c'est qu'on arrive au même résultat que si un patient était sous un traitement antidépresseur, mais sans antidépresseur. Maintenant, une proposition, c'est de venir tranquillement prendre ce petit sourire très infime, très léger petit sourire, et pour voir comment ça transforme peut-être quelque chose dans notre vécu. Et observons. Alors moi, je l'ai ressenti vraiment très fort, ce sourire, ce léger sourire. C'était... Moi, je l'ai ressenti comme une espérance. Mais quelle espérance? Je pourrais pas dire quoi. Mais ça a été un beau moment, une belle expérience. C'est curieux. C'est une expérience, voilà. Des fois, les mots ne sont pas là pour accompagner ça. C'est lié à l'ouverture. Une ouverture, quelquefois. Ouais. Tout à fait. C'était vraiment bien. Nous allons préparer le menu pour ce soir. Nous allons essayer de le préparer en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les quatre, vous allez imaginer que vous êtes un nouveau-né. Un nourrisson dont c'est le premier jour de la vie et qui va de découverte en découverte. Avant de venir à ce stage, tu connaissais déjà la méditation ? Non, la méditation, je ne connaissais pas. J'en avais jamais fait. Mais j'étais curieux de savoir ce que c'était. Par contre, j'ai déjà fait de l'auto-hypnose pour apaiser le mental. Mais la méditation, je ne savais pas du tout comment ça se pratiquait. J'ai aussi fait du yoga, mais je n'ai pas appris grand-chose parce que c'était avec des entendants, donc je n'ai pas tout compris. J'ai aussi fait du Lamson Vodao, un art martial énergétique, qui m'a fait comprendre des choses. Là, faire du yoga avec des femmes uniquement, ça ne me gêne pas, parce que je suis là pour moi. Et puis, c'est un temps de partage, entre nous. C'est magnifique! C'est vous qui avez cuisiné tout ça? Vous avez eu l'impression de faire comme à la maison ou c'était différent? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est pas que j'ai appris à me concentrer, mais je me suis focalisée sur ma concentration. Et j'avais envie de continuer. C'était pas comme à la maison où c'est la barbe où j'ai pas envie. Non, là, j'avais envie de le faire. Non, c'était différent. Ça m'a calmée. Je ne l'ai pas fait à contre-cœur, ça m'a fait plaisir de cuisiner pour tout le monde. Voilà. Le lien avec la méditation, moi, je n'y aurais pas pensé. Hein. Ah non, je n'y aurais pas pensé. Là, j'ai appris quelque chose. C'est bien. Si on souhaite que la méditation ait un effet sur notre quotidien, un apprentissage approfondi et une pratique régulière sont nécessaires. L'idéal,
serait alors d'y être familiarisé le plus tôt possible, pour s'imprégner de ce qu'on pourrait appeler une philosophie de vie. C'est pourquoi il est de plus en plus fréquent que des ateliers de méditation se fassent à destination des enfants. Mais comment se déroule ce type d'atelier ? Alors, on va faire la méditation des quatre cailloux. On va s'installer avec la position de la montagne, les deux mains dans le creux, en bas, dans le creux du ventre, comme si c'était des rivières qui coulaient. Le dos bien droit, la tête qui touche le ciel et qui embrasse la terre. Attention, on va prendre le premier caillou qui représente la fleur et on le met dans notre main. On inspire, on se voit comme une fleur. On souffle, on se sent frais. On inspire, on se voit comme une fleur. Quand on pratique la méditation avec des enfants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, il est très très important de leur rappeler qu'en méditation, comme nous les adultes d'ailleurs, hein, c'est la même chose pour nous, nous n'avons rien à réussir et nous n'avons rien à rater. Et on pose le deuxième caillou. Pour les enfants, c'est important de dédramatiser. Parce que souvent, ils ont un peu, on leur met du poids sur les épaules et ils ont l'impression qu'on leur demande quelque chose de compliqué. Et quand ils savent qu'il n'y a rien à réussir ou rien à rater, eh bien, ils se laissent aller à vivre l'expérience telle qu'elle. Sans poids, sans attente, sans peur. On prend l'espace dans nos mains. On va inspirer et souffler par le nez. On inspire. On est comme l'espace. On souffle. On est libre. On peut reposer le quatrième caillou. Et on a développé les quatre qualités qui sont à l'intérieur de nous. On est frais, on est solide, on est tranquille et on est libre. Les quatre qualités. C'est vrai qu'une pratique régulière de la méditation entraîne une amélioration de la concentration. Ça permet aussi aux enfants d'être plus attentifs à ce qui se passe à l'intérieur d'eux, donc d'être plus connectés à leurs sensations, leurs émotions, d'être plus attentifs à ce qui se passe aussi à l'extérieur, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, d'être vraiment présents dans l'instant où ils sont, d'être présents à ce qu'ils font, d'être présents à ce qu'ils sont. Et quand on est présent à ce qui se passe autour de nous, eh bien, on est aussi davantage présent aux autres. On va tous mettre notre petit cœur ici, sur le petit cœur. Et on va penser à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ismaël, à qui tu penses ? Mes grands-parents et mes parents. Et toi, Edouard ? Que mon papy. Alors, on va inspirer et on va penser à cette personne qu'on aime beaucoup. Et quand on va souffler, on va lui envoyer plein de bonheur. Attention, on inspire. On pense à quelqu'un qu'on aime. On souffle. On lui envoie plein de bonheur.